Optimus, Obscurium, Obscurium, Obscurium! Tu parles, Toby? À mon avis, il stresse à cause des examens de fin d'année. Détends-toi, mon improbable et caractériel frérot. T'es prêt? Tu vas t'en sortir. T'as travaillé pour une fois. C'est ça le pire, c'est qu'il a vraiment peur d'échouer. D'accord, d'accord. J'aurais essayé. Mais puisqu'on peut pas l'éviter, alors allons affronter cette épreuve. Oui, mais espérons qu'on réussira. Sinon, on va passer l'été en soutien scolaire. Razzle, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez un plus gros problème que la menace du soutien scolaire. Hé, attendez, il y a Razzle. Oui, mais c'est ça. Vous ne comprenez pas, ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Mais, enfin, l'éclipse. Nous, on appelle ça les examens de fin d'année. Mais qu'est-ce que c'est que ce quoi? Oh là là, une éclipse. Eh ben alors... Attention, ne regardez pas le soleil en face. Il faut des lunettes spéciales pour ça. Ça ne sera pas nécessaire cette fois. Cette éclipse ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Elle annonce la fin du monde. Déchiffrer la totalité du codex de Magor. Mais attends, c'est juste une éclipse, y a pas besoin de s'alarmer. Le problème est que ce n'est pas une éclipse ordinaire. C'est la preuve que les forces d'Obscurio envahissent le Gorme. Et on dirait que cela commence par la nation de la Terre. Je n'arrive pas à y croire. Exactement, il n'y a pas une minute à perdre. Force des éléments. Terre. Aujourd'hui, le maître est... Eh ben alors... Air! Alors, c'est mon destin d'occuper cette place pour la plus importante de nos missions. Tu dois y croire, Jessica. Si on a voulu que ce soit toi, ce n'est pas par hasard. C'est toujours elle aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est une mission capitale, alors je ferai tout mon possible pour vous aider. Je te remercie, Razzle, mais là, tu vois, ça va aller. Bon, arrêtez un peu, l'éclipse a commencé. Et si on se dépêche pas, le temps qu'on arrive là-bas, il sera trop tard. Il faut que tu nous conduises directement à Obscurio. Désolée, mais c'est impossible. Je ne peux pas vous envoyer à la caverne du désespoir. Elle a raison, la position exacte du repère d'Obscurio est un mystère, même pour le livre des voyages. Le temps presse. Tu n'as qu'à nous conduire à la frontière de la nation de la Terre et on y sera avant que l'éclipse ne la recouvre. Et on pourra peut-être la soustraire à l'influence d'Obscurio. Tout le monde en place! Sphère élémentaire en action! Gormitis, seigneur de la nature en avant! Pouvoir de l'océan! Puissance de la pierre! Et ton pouvoir te vient de nos territoires. N'y a-t-il rien à faire pour l'arrêter? Ne vous approchez pas de moi, seigneur de la nature. Le Gorme va être dévoré par les ténèbres et malheureusement, nous allons tous y perdre notre âme. Qui a dit que c'était du sérieux? Il ne sait plus où il en est. Mais je vais pas laisser Obscurio s'emparer des terres de mon peuple. On est avec toi, frérot.
des pierres. Ça servira à rien. Il semblerait que l'éclipse augmente les pouvoirs de tous les Gormiti de lave. C'est une catastrophe. J'aimerais tellement être avec eux. Oui, mais là, tu es la guide. Tu as été choisie pour une bonne raison. Mais vous ne pouvez pas rester là. Ils vont vous submerger. Vous ne tiendrez pas longtemps. Je vous ramène à la galère. Non, Jessica. Même si la nation de la Terre s'effondre, il y aura 3 autres nations à sauver. Puissance du poids. Impossible! Il doit bien y avoir une solution pour éviter ça! Il n'y a qu'un territoire qui a été épargné pour l'instant. Et c'est celui des Gormiti de lave. Très bien. Alors on n'a pas d'autre choix que de battre en retraite dans les terres de lave. Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Les ténèbres auraient dû les recouvrir en premier. Ce sont les terres du mal, après tout. Vous avez raison, tous les deux. Mais la seule chose qui importe, c'est d'arrêter cette éclipse avant qu'elle ne recouvre tout le continent. Dans les territoires de lave. L'éclipse les a recouverts? Pas encore. Impact des pierres. J'avais encore jamais vu ça. Cette fois, c'est vraiment sérieux. Vous ne pouvez plus revenir. Je vous envoie chez Luminous le Suprême. Tu vas avoir besoin de force. Je t'ai apporté des vitamines. Oh, Razzle! Oh non, regarde ce que tu as fait. Oh, je suis désolée. Pardon, j'essayais juste de rendre utile. Et moi, comment tu veux que je les aide maintenant que la console dégouline de jus d'orange? Si je te dis que je suis désolée, c'est parce que je suis désolée. Jessica, si ta proposition tient toujours, je crois que c'est le bon moment, là. Désolé, mais Jessica est indisponible. Est-ce que je peux prendre un message? Impact des pierres! Rapport tentacule! D'accord, il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Par le pouvoir de la lumière! Ça y est, le contact est rétabli. Vous êtes où? Seigneur de la nature. On aurait pu vous transporter, vous savez. Razzle, qu'est-ce que tu fais là? Et où est Jessica? Je suis là! Excusez pour le retard, mais Razzle a renversé du jus d'orange sur la console et je n'ai pas pu vous transférer chez Luminous le Suprême. Ah ouais, alors c'est vrai, mais entre-temps, j'ai trouvé une information capitale pour accéder à la caverne du désespoir. Vous aurez besoin du sapin. Arrête, Razzle, c'est pas le moment, là! On doit absolument sauver le corps! Vous devrez le laisser terminer. Je crois qu'il a fait une découverte. Merci, votre suprême luminosité. Donc, comme je disais avant d'être interrompu, si vous voulez rejoindre la caverne du désespoir, vous aurez besoin du sablier mouvant. On cherche à atteindre Obscurio et toi, tu nous parles de sablier magique, c'est ça? Le sablier mouvant est connu comme étant le seul moyen de parvenir au cœur même du mal. Il est indispensable pour attaquer et atteindre Obscurio. Où pouvons-nous le trouver? Ce ne sera pas une tâche facile. Vous allez devoir chercher loin dans les territoires de lave afin de me le rapporter. Les territoires de lave? Oui, enfin, c'est comme d'habitude, quoi. Votre cœur est brave, jeune seigneur. Mais vous allez devoir apprendre à combattre seul. Qu'est-ce que vous entendez par là? Soyez patient. Vous comprendrez bientôt le sens de mes paroles. Faites confiance à Razzle. Il a été d'un grand secours et il le sera à nouveau dans l'avenir, croyez-moi. Il est temps. Gardez l'esprit clair, défendez la vérité et luttez de toutes vos forces. On est censé trouver ce sablier magique. On
vous a envoyé à l'endroit exact où vous devriez pouvoir le récupérer. Il faut que vous trouviez les runes, que vous résolviez le casse-tête et vous les aurez. Un casse-tête? Tu veux dire que la survie du Gorm dépend d'un petit jeu ridicule? Laisse-moi faire un tour d'horizon. Attaque de liane! Toby, le sol est brûlant. J'aurais besoin que tu le rafraîchisses un peu. D'accord, je m'en occupe. Mer déchaînée! Ça fait du bien. Les runes du sablier mouvant. Oh, eh ben c'était pas compliqué. Il y a encore le casse-tête à résoudre. Alors, tu trouves ça toujours aussi facile maintenant? Tous les casse-têtes fonctionnent de manière logique, il nous faut juste un peu de concentration. Je veux pas dire, mais on sera bientôt dans le noir. Il y a un motif sur cette dalle. Les runes doivent sûrement se placer dans un ordre précis pour pouvoir débloquer le verrou, non? Ouais, enfin, en même temps, on va devoir tenir les gormitis de lave à distance. Poire de la mer! Dépêche-toi, Nick, on tiendra pas toute la journée. Réfléchis. Alors, comment ça fonctionne? Jessica, si t'as une idée pour nous aider, n'hésite pas à la donner. Non, il n'y a rien d'indiqué. Je crois que vous êtes en train de chercher un élément magique qui a décidé de jouer à cache-cache avec vous. Point de la mer! Cette fois, on n'a plus le temps. Attendez... Ça y est, je sais. Réussi à trouver le sablier mouvant. On doit surtout remercier le Seigneur de la Terre pour ça. C'est lui qui a tout fait. Comme tout fidèle Seigneur, il a suivi son destin. C'est la seule explication à sa bravoure. Que fait-on maintenant, Luminos le Suprême? On devrait pas attaquer Obscurio? Si, mais avant ça, il est temps pour vous de recevoir le véritable pouvoir de la lumière. Oui! Nous devons combattre. Je crois que c'est clair. Il est temps d'en finir avec Obscurio une bonne fois pour toutes. Luminos le Suprême, nous ne savons toujours pas comment fonctionne le sablier mouvant. Suivez votre intuition et le sablier vous guidera là où vous devez vous rendre. Et à présent, recevez le pouvoir de la lumière. Maintenant, suivez-moi. Bonne chance à vous. On sera là, Razol et moi, si vous avez besoin de nous. Hé ? Vous m'entendez ? Nous ne pourrons plus les aider. Ils ont rejoint la caverne. La caverne du désespoir. Alors, c'est bien réel. Obscurio a finalement réussi. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a débloqué le pouvoir ultime que renfermait le Codex de Magor. Tiens. Oh. Regardez qui nous rend une petite visite. Attends. J'espère que tu te réjouis de ce moment, Obscurio. Parce que ta quête de pouvoir va s'arrêter ici. Le pouvoir, pauvre
fou. Qu'est-ce que tu crois? Ma quête va bien au-delà d'une vulgaire recherche de pouvoir. Oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. J'ai toujours su que les sentiments de compassion qui t'animent finiraient par entraîner ta chute. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Vous n'avez pas encore compris, mais un peu de patience. En attendant, je vous remercie pour le cadeau que vous avez eu la gentillesse de m'apporter en main propre. Pour notre maître Obscurio, le seigneur des ténèbres, emparez-vous du sablier! Rejoindre la caverne originelle pour y cacher le sablier mouvant. Pas question, on ne vous abandonnera pas, quel que soit le prix à payer. Vous avez le cœur pur, mais mes pouvoirs sont limités dans cet endroit. Et je vous ordonne de partir. Jamais! Vous devez me donner le sablier. Hors de question. Par le pouvoir des ténèbres. Le sablier mouvant est le seul lien entre la caverne du désespoir et le temple de la lumière. Il ne doit pas tomber entre ses mains. Quoi? Un lien? C'est pas vrai, je t'en prie, montre-moi une image! Allons du calme, je suis sûr qu'ils vont bien. Enfin, je l'espère. Comment tu le sais? On n'a aucun moyen de voir ce qui se passe là-bas. Chaîne de la destruction! Il est à moi et à moi seul! Pouvoir des ténèbres! Merci de m'avoir apporté ce dont j'avais besoin. Une fois que j'aurai détruit le temple de la lumière, plus rien ne pourra m'empêcher de conquérir le Gorm une bonne fois pour toutes. Magmion, je te les laisse. Et surtout, prends ton temps. Oui, maître. Je suis votre serviteur dévoué. Excellent. Votre moment de gloire est arrivé. Et je dois vous quitter. Il est temps. Quoi? Par le pouvoir de la lumière! Qu'est-ce qui s'est passé? Obscurio a récupéré le sablier mouvant! Il faut absolument qu'on retourne au temple de la lumière! T'as un moyen pour ça? Parce qu'on n'arrive pas à contacter Jessica! Ouais, mais enfin d'abord, il faudrait s'occuper d'eux, non? Point de la mer! Vous y êtes? Presque! Tenez bon! Et surtout, ne les laissez pas s'approcher de moi! Roche de lumière! Pétrification éternelle! Grimpe tentacule! T'as vu ça? C'était du grand art! Après tout, c'est eux qui l'auront voulu! J'ai terminé! Hein? Razol, il faut que je descende dans le gant pour les aider! C'est hors de question! Tu as été choisi pour assumer ce rôle! Tu dois garder confiance! Et puis, qui manipulerait ta sphère pour t'envoyer dans le gant? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, Jessica? Ce sera un véritable plaisir de te voir disparaître, suprême Luminous. Les seigneurs de la nature te vaincront, Obscurio. Ce n'est pas terminé, et tu le sais. Oh, si, ça l'est. Quant à tes seigneurs de la nature, je ne les vois pas. Où sont-ils? Par le pouvoir de la lumière! Les garçons, est-ce que tout va bien? Soyez les bienvenus, jeune seigneur. Oh non! Nous y sommes. Quoi? Ha 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 ha!